Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo qui moi-même je ne sais pas ce qu'elle va donner. L'Oréal m'a pris en rendez-vous tout d'abord pour tester des nouveaux produits de chez eux, des nouveaux soins qui s'appellent Power Mix. Donc j'y vais pour tester ça, mais surtout j'y vais pour couper mes cheveux. Alors c'est là où je sais pas du tout ce que ça va donner parce que je ne sais pas encore quoi couper. Je sais qu'il y a au moins ça à couper. Déjà rien que ça, pour moi les filles, ça va être un truc de fou parce que ça fait des années que je les ai pas coupées et autant, mais là j'en ai vraiment besoin. Franchement mes cheveux, ça se voit. Ça se voit vraiment qu'ils ont besoin d'être coupés. Et en fait j'attends de voir ce que me dit la coiffeuse. Déjà elle va me dire quoi couper. Et si elle me dit style voie de couper ici, je me tâte en fait à dire ben, couper un peu plus haut pour faire un espèce de carré long plongeant parce que j'adore ces coiffures. Hein. Mais le problème qu'il y a, c'est que là, je le dis d'une facilité, voilà. Mais en fait, j'ai trop peur. J'arrive pas à me regarder dans la glace sans voir mes cheveux en fait. Et je me dis, si tu coupes tout, mais ça va te faire un choc le machin. Après, dans tous les cas, je suis obligée de les couper pour repartir sur de bonnes bases hein, parce qu'ils ne poussent plus mes cheveux, ils sont cassants, ils sont morts. Quand ils sont morts, il n'y a rien à faire, il faut couper. Quand je vous dis mort, c'est vraiment cassant quoi. Je vais au salon de Juliette à Béziers, j'étais allée déjà l'année dernière et j'ai voulu y aller parce que j'ai vraiment kiffé. Les coiffeuses, elles sont hyper à l'écoute. On lui dit de couper 1 cm, elle a coupé 1 cm. Donc là, vous inquiétez pas que même si je coupe tout, je vais scruter le moindre millimètre pour pas qu'elle coupe trop ou pas assez. Enfin bref, j'ai rendez-vous tard, j'ai rendez-vous à 4h30, ce qui fait que fait chier parce qu'après il fera nuit donc le résultat sera pas top, donc sûrement je vous montrerai le résultat final demain en plein jour. Bon allez on y va, c'est parti. Thank you.
résultats après tant de stress pour rien quoi, je suis trop contente. On n'a pas trop coupé, on a quand même coupé plus d'une main. Hein. On a enlevé voilà tout ce qui était mort et je le sens, mes pointes, hein. Vous avez vu l'épaisseur quoi, je vais vous montrer de dos. Je suis vraiment très contente, je sais pas ce que vous en pensez, ça me fait juste bizarre hein, quand voilà je me fais une queue de cheval. J'avoue que là, ouais, ça me fait drôle avec la longueur que j'avais là. Mais bon, ça c'est pas grave. Hein. Je les ai pas encore lissés. Je sais pas ce que ça va donner lisse, hein, si je vais toujours aimer. Mais là, comme ça, franchement, ouais, j'aime beaucoup. Avant de vous montrer les produits que j'ai utilisés chez le coiffeur, tout ça, je voulais faire un point sur le lissage brésilien que j'ai fait il y a un peu plus de mois. Donc je dirais pas que ça m'a encore plus asséché les cheveux, mais environ après 2 semaines d'avoir fait, mes cheveux sont redevenus secs. Par contre, même maintenant, quand je les sèche, ils sont toujours lisses, quoi. Ils commencent un petit peu à gonfler comme avant, mais ils sont toujours lisses, donc ça, je suis plutôt contente sur ça quand même. Maintenant, je vais vous parler des soins qu'on a utilisés, le soin Power Mix que vous avez vu un petit peu. C'est une toute nouveauté chez L'Oréal, même les coiffeurs, c'était la première fois qu'ils l'utilisaient, ils ont trouvé ça top. J'entendais beaucoup de « Oh, t'as vu les cheveux, oh, machin, oh !» Et au toucher, c'est vrai qu'il n'y a rien à voir, c'est vraiment des super produits. Et je suis contente de vous faire un petit concours pour vous permettre de gagner toute la gamme de soins. Le concours se fait sur mon Instagram, je vous mets tout en barre d'infos, je le remettrai aussi sous ma photo Instagram, les conditions à faire pour pouvoir avoir la chance de gagner ces produits parce qu'ils sont vraiment top, c'est ceux que je vais utiliser maintenant pour entretenir mes cheveux. Donc si vous demandez ma nouvelle routine soin, mais ça va être avec ces produits. Je vous souhaite à tous bonne chance, allez voir en barre d'infos, je suis vraiment contente de vous faire gagner ces produits, j'espère que vous aussi vous êtes contents. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, bientôt des tutos coiffure avec mes nouveaux cheveux. Je vais essayer de vous les sortir juste avant les fêtes pour que vous ayez des idées. Ben, je vous tiens au courant, en tout cas je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.